Aujourd'hui, nous nous retrouvons en terre inconnue avec le célèbre explorateur. Salut, moi c'est Maurice. Alors aujourd'hui, je vais commencer. Nous avons plus de 42 km de marche à parcourir. Il n'y en a pas un, il veut la vendre. Sur le bon coin, je fais une annonce. Restons vigilants. Déjà, est-ce qu'on en parle ma tête? Premier vlog de galère. Comment vous dire que j'ai 20 ans dans 4 heures? Mais c'est vraiment une catastrophe cet anniversaire. On avait réservé un camping. On arrive dans le camping, elle nous donne les clés. Et là on arrive devant un giga bâtiment. On ouvre la porte. Alors en fait il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de cuisine. Il y a juste 4 lits en mode auberge de jeunesse quoi. Je dis à Noah, bon non c'est pas possible, bien on se barre. Donc là ça fait actuellement 1h30 qu'on est parti de ce camping. Là, il est 20h20, on va prendre un McDo, mais on va dormir du coup dans la tente ce soir. Et on a vu des dauphins. On a vu des dauphins. Il y a ça de bien. Toi... Bah, c'est l'aventure australienne, c'est comme ça. On vient de passer 3 jours de ouf avec un spot de dingue pour dormir. Je me dis que ça peut pas être tous les soirs pareil, donc on va relativiser. Donc là, on vient d'arriver au McDo. On prend le drive ou pas? Hey, thank you. You are shopping. Bye. On est où là? Nos zoos. Il faut savoir qu'on est des enfants, on adore les zoos. Et là vraiment il y a plein de trucs à faire. Oh mes choubidous. Oh j'adore, sérieux. C'est trop mignon, il y en a pas. Aucun effort. Oh il y en a 4 dans mes mains. Hello. Hello. C'est une dinguerie. C'est une chambre. Hello. It's a journey with both your roads. We proceed and we always overcome. There's a magic inside your eyes. On est arrivé au National Park Dorigo. Dorigo. Nous sommes partis pour 6,6 km de marche, c'est-à-dire 2-3 heures. Puis on part, il est. Ouh, Bobzexou. 11h48. Regardez mon père comme il est trop fort. Il a tourner le téléphone, il veut tourner la caméra, c'est pour ça que cette photo je la trouve super drôle. Vas-y, mais on te voit là. L'amour en province ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant le chauffeur, buvez de la bière en regardant. Comme ça, on pourra dire qu'on a une trace des noms. Sur la route de Memphis. Bah voilà, je crois que ça fait déjà 2 heures qu'on marche. Comment vous dire que j'en chie ma mère, vraiment. Je suis en lost. Because here it's for, crystal shower, yeah. And here it's for the glade. Alors là, Noé, il me dit d'un coup j'ai mal aux pieds. Mais t'as quoi? Enlève ta chaussette en vrai. C'est une bête, là, moi, je suis sûr. C'est une bête? Non, c'est quoi? Ça a l'air énorme. C'était une araignée? Une sangsue. Non. Ouais, regarde, elle bouge. Sinon, ça fait rien, hein, les sangsues, en vrai, de vrai. Bah... Regarde si j'ai un trou à la chaussette. Wesh. Wesh. T'as le pied ensanglanté. France. On arrive au centre, du coup, là, il va se faire soigner. C'est pas du tout dangereux. Tu sais, là, 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 là. Bah, en vrai, on est tombé sur des dames hyper gentilles. C'est vraiment 4 vieilles qui gèrent le parc. Putain, finir la journée après une bonne rando avec une bonne pizza. Bon voilà, c'est une fin de journée qui s'achève. Ça attend, j'y vais pas trop. La tente est montée. J'ai pas un on va aller se coucher quoi. Je viens d'atterrir sur cette petite plage à 15 minutes de là où on a dormi au lac ce matin. Alors là, dites-vous, il y a 3 putains de maîtres nageurs pour 6 personnes sur la plage. Oh,
be the match, I will be a fuse. Boom, painter baby, you could be the muse. Bon bah voilà, c'est une fin de journée qui s'achève. Regardez les cheveux de Nono, ils poussent. On a cramé aujourd'hui, mais quand je dis cramé, j'ai le cul qui rouge comme une écrevisse.